Aujourd'hui, je vais devoir finir Minecraft, mais tous les blocs que je pose seront géants. Alors non, c'est pas une blague, ils seront vraiment tous géants. Par exemple, si je casse un bout de bois et que je le repose, et bah il est tout simplement hyper grand. Et quand je le recasse, et bah il y a plein de bûches qui tombent. Ah, je pense que vous avez compris le concept. En tout cas les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah t'as juste à t'abonner. On s'approche très rapidement de la barre des 60 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, fais-le sinon je te fume. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. T'es obligé de t'abonner. Le lien de mon Discord est dans la description. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gens, du coup, on se retrouve directement en jeu. Et du coup, comme vous l'avez vu dans l'intro, chaque bloc que je pose seront géants. Et donc, je pourrais récupérer plein de blocs en les cassant. Genre là, par exemple, on va tester avec cet arbre. Donc là, je vais casser cette bûche. Et ensuite, j'ai juste à la reposer comme ça. Et boum, regardez, il est gigantesque ce bloc de bois. Et normalement, si je le casse, maintenant, je suis censé avoir beaucoup. Voilà. Attends, mais c'est incroyable. Et du coup, ça me fait combien? Oh, 27 bûches. Eh, là, on est déjà super bien. Bon, bah, je pense qu'on peut déjà commencer par se faire les outils en cobble. Du coup, c'est parti. La petite table de craft, boum. Enfin, la petite table de craft. Plutôt la grosse table de craft. Par contre, à l'intérieur, c'est comme si c'était une petite table de craft. Mais si je la casse, boum, on a plein de tables de craft. Oh là là, c'est trop, trop bien. Et c'est parti, on récupère de la cobble. Oh, mais non, attends, en fait, j'ai juste à le poser et à le casser. En fait, j'en aurais plein, mais je suis trop bête. Regardez, hop, boum, on en a plein. J'avais déjà oublié le concept de la vidéo. Et du coup, bah voilà, j'ai déjà assez de cobble, parfait. Et boum, on a tous les outils en cobble. Bon, maintenant, j'aimerais bien trouver un village. Je vous avoue que ça pourrait nous mettre bien. En plus, si j'arrive à me faire un bloc de fer et que je le pose, bah, vous savez ce qui se passe. Ah, j'adore ce mode. C'est à peine le début que je veux déjà continuer cette survie encore plus que d'habitude. Oh, une vache ici, boum, bam, boum. Oh, let's go, il y a un village juste ici. D'ailleurs, au passage, il y a un petit peu de gravier, on va le prendre. Boum. Et bam, hop là, on a plein de gravier. Et en plus, on a du flint, oh là là, c'est trop bien. Et d'ailleurs, je peux faire ça avec les blocs de pain. Attendez, j'en prends un seul, je le pose ici. Et non, ça fonctionne pas avec les blocs de pain. Mais what? Bon, c'est pas grave, ceux-là, on va les récupérer normalement. Et boum, on a déjà pas mal de pain. Quasiment 2 stacks. C'est déjà pas mal. Attendez, mais il n'y a même pas de villageois dans le village. Je vous jure qu'il n'y en a aucun. C'est trop bizarre. Ah si, il y en a un là. Voilà, ok, bon, ça va, tout va bien. Bon, on va dormir parce que bah il commence à faire nuit et j'ai pas envie d'avoir des monstres sur moi. Et hop là, il fait jour. Le golem de fer, tu viens là. On va tenter de poser un bloc comme ça. Boum. Ok, parfait, je peux être au-dessus. Normalement, je suis assez haut là. Ok, il peut pas m'attaquer. Parfait. Je peux lui mettre un maximum de dégâts. Boum, boum, bam, boum, bam. Ok, on a 3 de fer. C'est pas ouf. Bon, maintenant il faut absolument que je trouve 6 autres fers. Comme ça, bah je me fais un bloc de fer. Et ensuite, je suis riche en fer. Mais avant, je peux commencer à le faire avec le charbon pour voir si ça marche. Ok, on a pile 9 charbons. On va se faire un bloc de charbon. Et normalement, boum, oh let's go. Maintenant, si je le casse, est-ce que je vais en avoir plein? Let's go. Non, mais je suis carrément riche. Bon, là, je suis sûr de plus avoir besoin de charbon. Et d'ailleurs, j'ai pas envie d'avoir un seul four. Je veux en avoir plusieurs. Du coup, let's go, boum. Oh là là, c'est trop bien. Bon, allez, du fer parfait. Il y en a juste ici. J'espère qu'il y en a assez. Il m'en faut juste 6. Est-ce qu'il peut y avoir un filon de 6? Je ne pense pas. Mais c'est déjà un très très bon filon, hein. Peut-être qu'il y en a assez. Ah, mais attends, mais il y en a carrément assez. Mais oui. Ok, on en a eu 8. C'est parfait. On va le faire cuire dans le géant four comme ça. Ah, d'ailleurs, waouh, c'est trop cheaté comment il est énorme. Par contre, c'est dommage, il cuit pas plus vite. On va en poser quelques-uns comme ça, on va aller encore plus vite. D'ailleurs, ils peuvent se poser en décalé comme ça. Alors que dans Minecraft normal, bah non, on peut pas faire ça. Mais là, du coup, on peut le faire et c'est ultra perturbant. Genre vraiment, les blocs peuvent se poser en décalé. Bon, on va faire comme si c'était normal. Ok, boum, on va se faire un bloc de fer. Let's go. On va le poser ici. Boum. Ok, s'il te plaît, donne-moi un maximum. Ouf. Ok, d'accord, là je suis carrément riche. Bon, on va tout récupérer. Let's go. On a 27 blocs de fer. Ah, vous savez quoi, j'en veux un stack. Du coup, on va en refaire un autre. Parfait. Et on récupère 53 blocs de fer. C'est abusé. Et du coup, on peut se faire le full stuff en fer. Let's go. Et les outils en fer. Et boum. Parfait, on est trop bien. Oh, je sens que je vais m'éclater avec ce mode. Hop, le bouclier. Parfait. Et maintenant, l'idéal, ça serait que je trouve 9 diamants. Mais bon, ça va être un peu compliqué. J'espère qu'on va y arriver. Il faut qu'on trouve une grotte incroyable. Du coup, c'est parti à la recherche de la grotte incroyable. Ok, parfait. Il y a une grotte juste ici. Allez, dis-moi qu'elle est good. Ok, elle m'a l'air incroyable. D'ailleurs, on est en 1.17.1 et je pense pas qu'elle est nouvelle grotte. Du coup, c'est à l'ancienne, mais je suis pas sûr. Salut les creepers. Allez, explosez. Vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. On a du fer ici, mais on en a pas besoin. Je vous rappelle qu'on peut poser des gigantesques blocs de fer maintenant. Donc le fer n'est plus utile. Parfait. Une source d'eau, on peut la récupérer pour faire le portail du Nether. Bon, il faut pas que j'oublie mon objectif de trouver du diamant pour me faire un bloc. Mais c'est quoi tous ces creepers? Mais c'est pas possible. Bon, j'ai atterri dans cette faille un peu nulle et il y a pas
pas l'air d'avoir du diamant, surtout que je suis pas à la bonne couche. Et d'ailleurs, dans la petite source d'eau, il y a un axolote marron, il est trop stylé, je trouve. Donnez-lui un nom dans les commentaires. Au revoir, petit axolote. Oh, il y a un mineshaft, incroyable. Allez, dites-moi qu'il y a des coffres intéressants. Bon, par contre, dans le mineshaft, il y avait vraiment pas grand chose. Mais bon, c'est pas. Oh, let's go, j'ai du diamant. Oh, parfait, parfait. Par contre, il y en a vraiment pas qu'un peu là. Oh, s'il te plaît, donne-moi un plan. Oh, mais oui, s'il te plaît, oui, 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 oui. Ok, on en a 6. En vrai, il nous en manque plus beaucoup. Il nous en manque 3. Non, mais attendez, il y en a encore un ici là. Non, vraiment, le diamant était juste ici et il est juste là. Ok, là, je viens vraiment d'avoir beaucoup de chance. En espérant qu'il y en a 3, mais je pense pas. Ok, 2, s'il te plaît. Allez, 4, peut-être à côté. Oh, let's go. Ok, bon là, je suis vraiment chanceux. Bon, on a les 10. Et du coup, maintenant, je peux me faire le bloc de diamant. Si je le pose, attention, ça va être incroyable. Boum. On a le gigantesque bloc de diamant. Si je le pète, normalement, je suis censé en avoir plein. Oh, let's go. Oh là 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 là. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais je suis trop bien là. Je vais pas perdre mon temps. Je vais directement me faire une armure en diams. J'ai pas le temps là. Boum. Et hop, les outils. Ah, j'ai eu tellement de chance en vrai là. Et d'ailleurs, je peux me servir de ce lac de lave pour avoir de l'obsidienne et casser l'obsidienne et avoir un gigantesque bloc d'obsidienne. On va essayer ça tout de suite. Let's go. Oh, attends, quoi? Même la source d'eau est géante. Non, mais c'est abusé. Regardez-moi ça. Comment je vais faire pour récupérer l'obsidienne maintenant qu'elle est dans l'eau? Ok, je crois que j'ai trouvé un moyen. Let's go. Allez, il faut que j'en casse juste une. Et normalement, ça devrait le faire. Ok, j'ai juste à la récupérer. Je vais me faire un briquet. Boum. Et maintenant, je vais poser le gigantesque bloc d'obsidienne. Boum. Incroyable. Non, mais vraiment, j'adore. Bon, maintenant, on va essayer de le casser. Ça va être un peu long, mais normalement, ça devrait faire comme si c'était un bloc d'obsidienne normal. Allez, s'il te plaît, je veux voir toute l'obsidienne tomber là. Oh là 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 là. Incroyable. Et maintenant, j'en ai 27. J'ai plus qu'à faire tranquillement le portail. Ah, mais je peux pas cliquer là. Attends, c'est vrai que maintenant, je pose des blocs géants là. Je sais pas du tout comment je vais me faire le portail du Nether. Ah, il faut que je trouve une solution. Je pense qu'il me faut de la lave. Ok, j'entends de la lave pas loin, s'il te plaît. Ok, parfait. Je récupère la lave. Et normalement, si je pose la lave juste ici. Ok, parfait. On va essayer de placer l'eau juste au-dessus. Et normalement, ok, on a de l'obsidienne. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je vais récupérer 2 seaux de lave en plus. Et normalement, si je place la lave ici, boum. Ok, ça fait une autre suite. Et maintenant, boum. Et boum. Maintenant, je coupe la source d'eau. Et là, j'ai plus qu'à me créer mon portail du Nether. Ça va être un peu long. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, parfait. Et normalement, on a le portail du Nether. S'il te plaît que ça fonctionne. Boum. Let's go, ça fonctionne. Et en vrai, ça a un flow en vrai. Je trouve ça trop stylé le portail du Nether dans des blocs d'obsidienne. Bon, je vais récupérer ma source d'eau, faut pas déconner. Et je pense que là, on est plus que prêt pour aller dans le Nether. On est full diamant, ça devrait le faire. Ok, 3, 2, 1, let's go. Ok, je crois qu'on n'a pas plus malchanceux que moi niveau spawn. Vraiment, ça ne mène à rien du tout. Je suis dans un cul-de-sac. Mais comment c'est possible? Bon, bah, on va creuser hein, comme ça directement. Oh, ok, bah, il y a la sortie directe. Parfait. Bon, maintenant il faut que je trouve un biome à Enderman et une forteresse. En vrai, ça devrait pas être compliqué. Je pense qu'on va aller le plus haut possible, comme ça on aura une bonne visu sur le Nether. Bon, pour le moment, je vois pas grand chose. Je crois que j'ai vraiment pas de chance sur le Nether là pour le coup. Oh, let's go, il y a un bastion. En vrai, moi j'aime pas trop les bastions. Mais je crois qu'on aura pas le choix d'aller dans le bastion en vrai. Il y a pas de biome à Enderman dans le coin. À moins qu'il y en a. Oh, let's go, il y en a un juste à côté. Bon, bah adieu le bastion. Moi je vais au biome à Enderman. Oh, c'est grave dur de faire un pont en vrai. Avec les blocs géants, c'est trop dur. Ok, parfait, je suis arrivé. J'ai plus qu'à tuer les Enderman. Allez, venez ici, regarde. Hop, je regarde un juste ici. Parfait, vas-y, viens là. Boum, 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 boum. Bon, je vais vous épargner la recherche hyper longue d'Enderpearl. C'est parti. Ok, je suis au dernier Enderman. Allez, s'il te plaît, let's go. Il m'a donné la perle. On a 16 Enderpearl. Ah, ça a été super long. Vous vous rendez même pas compte. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve une forteresse. C'est parti à la recherche d'une forteresse. Bon, les gars, je suis en hauteur et je sais pas du tout comment je vais descendre d'ici là. Attends, mais je crois que c'est une forteresse ça là-bas. Comme j'ai night vision pour voir dans les caves, et ben, je vois pas très bien, mais je pense que c'est une forteresse. On va y aller directement et on va MLG avec un bloc. Bon, ça a pas trop marché. J'ai glitch dans le bloc. Et d'ailleurs, j'ai failli mourir. Bon, bah, on va y aller comme ça, discrètement, comme ça très doucement pour éviter de tomber dans le vide. À tout moment je glitch dans un bloc et bah je finis tout simplement par terre. C'est pas ce que j'ai envie. What? Ce blaze là-bas vient de me sniper. Bon, le wither squelette, tu bouges. Ok, le blaze maintenant. Hop, boum, boum. Parfait, on a la première blaze rod. Il nous en faut 8. Ça devrait le faire normalement. En vrai, je me pose une petite question. Si je fais un coffre comme ceci et que je le pose, est-ce qu'il est géant le coffre? Et non, le coffre n'est pas géant. Ok, il n'y a pas tous les blocs. Ce qui explique pourquoi au début les blocs de pain ne fonctionnaient pas. Let's go, on a un spawner. Parfait. Hop. Hop, j'ai plus qu'à les tuer. Boum. Deux blaze rod. Ah, j'adore ce mode. Boum. 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 Bam. Bam. Bim.
Ok, let's go. J'ai les 8 blaze rods, je me casse. Je me barre comme un voleur. Je veux plus jamais revenir ici. Et d'ailleurs, je suis carrément full inventaire. Je vais en profiter vu que je suis dans mon inventaire, bah pour me faire tout simplement les yeux de l'end. Parfait, 16, let's go, boum. On a 16 œils de l'end. Bon bah, je pense que c'est parti pour retourner au bercail. On a un Ender Dragon à tuer. One eternity later. Ok, parfait, c'était juste ici. J'ai juste à descendre comme ça. Non. Oh, wow, ok, je suis dans les blocs. Ok, parfait. Par contre, je sais que le portail était vachement caché quand même. Il y a moyen que je galère à le retrouver. Ah, il y a des gros blocs géants là. Je pense que c'est ici. Où est mon portail? Parfait, il est juste ici. Let's go. Et c'est parti pour retourner dans le monde normal. Wow. Ok, me revoilà dans cette grotte vraiment minable. Avec tous ces blocs géants là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, c'est parti pour remonter à la surface. Hein. Ça va être super galère avec tous ces blocs. Parfait, me revoilà directement à l'extérieur. Et je pense qu'on est paré pour balancer notre première enderpearl. Et je sais pas où est-ce que j'ai atterri là, mais complètement dans un endroit random. Enfin bref, boum, on balance la première enderpearl. Et c'est juste derrière moi. Est-ce que je vais la récupérer, s'il te plaît? Let's go. Bon, j'ai plus qu'à aller dans cette direction. En espérant que c'est pas trop loin. En vrai, je vais marcher comme ça pendant un petit moment. Oh, d'ailleurs, il y a de la canne à sucre. C'est exactement ce qui me manquait. Hop, une table d'enchant. Boum. Et normalement, j'espère qu'elle est géante, s'il te plaît. Boum. Ok, elle est nulle. Bon, bah, je vais même pas m'enchanter pour la peine. J'ai pas besoin d'enchant pour tuer l'Ender Dragon. Oh, mais attends, mais il y a un autre village. Est-ce que si je rebalance une perle, c'est. Ouais, c'est toujours dans cette direction. Et d'ailleurs, je récupère tout le temps mes yeux de l'End. J'ai trop de chance. Je me dis, en vrai, j'en prends toujours un peu beaucoup. Mais c'est toujours histoire d'être sûr. Bon, bah, c'est parti. On trace. On a plus besoin de village. Vous savez quoi? On va retenter de balancer une perle. Et. Oh, c'est un peu sur le côté là. On va réessayer. Mais ah, j'en étais sûr. C'était sûr. C'était un peu sur le côté. Bon, j'ai plus qu'à descendre. Et c'est parti. Le Stronghold. Oh, on est tombé sur une grotte. Mais c'est pas le Stronghold. Oh, parfait. C'est juste ici. Let's go. On y est dedans. Ok, me voilà dans le Stronghold. L'Ender Dragon, j'arrive. C'est quoi? On va péter tous les Ender Crystal uniquement avec des blocs géants. Et pas n'importe quel bloc, des blocs de diamants. Si ça, c'est pas cheaté. Mais comment il est fait ce Stronghold? Regardez, il y a des coffres qui lévitent dans les airs. Est-ce qu'il y a un bon truc à l'intérieur? Et non. Bon, je vais aller là. Hop, on va essayer de monter en espérant que c'est ici. Mais what the fuck, il y a deux Enderman ici. Est-ce que ça serait pas un signe? Et d'ailleurs, oh, c'est. Attends, mais c'est carrément là. Bon, on pète le spawner. Let's go. Et les Cyberfish, vous bougez. Ok, on est enfin arrivé. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à tuer l'Ender Dragon. Ah, en tout cas, je surkiffe ce mode. Bon, je crois que j'ai mon destin à affronter. Boum, boum, boum. Bim, bim, bim. Bam, bam, bam. Let's go. Allez, c'est parti. Boum. Wow. Ok, me voilà dans l'End. Comment ça va, l'Ender Dragon? Comment on se retrouve? Et comme d'habitude, je vais t'éclater la tronche. Bon, il va falloir que je pète les Ender Crystal et ça risque d'être compliqué. Ou peut-être pas du tout. Il va falloir que je pose des blocs juste devant, comme ça. Et normalement, je suis cover là. Allez, hop, let's go. Ok, je suis cover. Boum. Bam. Boum. Bam. Boum. Bam. Ok, il m'en reste plus qu'un. Et boum. Let's go, on a pété tous les Ender Crystal. Il me reste plus qu'à tout simplement y aller, quoi. Non mais regardez-moi à quoi ressemble l'End. Je l'ai complètement détruit. Bon bah, j'ai plus qu'à attendre qu'il arrive et à lui mettre un maximum de dégâts. Oh, d'ailleurs, je crois qu'il descend. Ah non, il descendait pas, c'était une feinte. Allez, viens te battre si t'es un homme. C'est maintenant qu'il faut que tu prouves ta puissance. Je comprends pas trop, depuis tout à l'heure, il tourne autour du même. Oh, ok, parfait. Ok, vas-y, descends, viens te battre. C'est maintenant qu'il faut venir se battre. Allez, viens Ender Dragon, j'ai pas peur de toi. Ok, boum. Oh, les dégâts qu'on lui met, c'est incroyable. Vas-y, meurs, meurs. Oh purée, il m'a éjecté. Ah, il a peur de nous, les gars. Allez, affronte ton destin, mec. Oh, ok, va au milieu. C'est le moment. Il faut lui remettre un maximum de dégâts. Boum. Non, il m'a éjecté. J'ai pu lui mettre seulement un coup. Oh non, c'est pas possible, ça. Ok, il descend. Boum. 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 Let's go, il met un maximum de dégâts. Oh, la moitié de la vie, la moitié de la vie. Wow. Ok. Boum. 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 Non. Purée, mais c'est pas possible. Il arrête pas de m'éjecter. Allez, allez, meurs. Allez, meurs. Allez, meurs. Il va mourir. Oui, 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 s'il te plaît. Non. Oh, il a plus beaucoup de vie. Allez, viens, Ender Dragon, viens te battre. Je crois que la prochaine fois, c'est la bonne. Ok, allez, viens, mon pote. Boum, 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 let's go. On a tué l'Ender Dragon. Oh, incroyable. Regardez-moi tout l'XP qui tombe. C'est exactement ce qu'on voulait. Bon, cette vidéo était incroyable. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est dans la description. Et sur ce, ciao.